Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy, on y va. Très heureux de vous retrouver comme chaque samedi, et ce soir je reviens sur un livre que vous connaissez toutes et tous, Top Carré de John Carré. Un effet simple, rapide, mais efficace, et qui marche très très bien sur le grand public, passé, présent, et je vais vous laisser découvrir tout à l'heure. Son livre est disponible chez CC Magic, je vous mets le lien évidemment dans la description, comme évidemment le lien pour le jeu de cartes Tricheur. Du côté de chez Guyageux, où vous pouvez trouver mon jeu de cartes aussi, eh bien, il nous propose le bois de Quatsu. C'est un jeu de Blaise Muller. Ça se joue à partir de 6 ans et plus. Les parties durent en moyenne 10 minutes, donc c'est rapide, c'est sympa. Et puis, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Les plus du jeu, eh bien, c'est que c'est un jeu de memory revisité et très ludique. C'est un excellent jeu pour les petits et les grands, pour muscler bah, évidemment son sens de l'observation et de la mémoire. Et puis enfin, les jeux Hopla sont entièrement fabriqués en France, donc ça c'est chouette quoi. Donc n'hésitez pas à acquérir ce jeu, vous ne le regretterez pas. Je vous mets une vidéo dans la description, Ludochrono, et puis enfin www.guyageux.fr, les boutiques vous les connaissez maintenant, donc mais je vous les remets à chaque fois, on sait jamais. La magie c'est CC Magic. Vous y retrouvez le livre donc, de Top Carré ainsi que tout son travail, et je vous laisse donc avec ce tour un petit peu de mentalisme en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir. Cette fois-ci je crois que la reprise est faite, donc bon courage, et je vous dis évidemment la semaine prochaine. Ciao. Salut Emma, ça va? Oui, ça va. Bon, très bien, cette rentrée s'est bien passée? Ouais, ça formidable. Va formidable, parfait. Donc j'ai ici un jeu de cartes, hein, d'accord, on mélange un petit peu. Voilà, parfait. Et j'ai ici une enveloppe, d'accord. Tiens, je vais te la donner, tu la gardes comme ça. Et je fais défiler les cartes, excuse-moi, comme ceci, d'accord. Et tu me dis stop vraiment, mais quand tu veux. Ok, on y va, c'est parti. Stop. Là? Oui. Ok, tiens, je te laisse mettre ton enveloppe en fait. Voilà, très bien, on va juste la laisser dépasser comme ceci, regarde. Je mets le reste du jeu dessus. Donc on est bien d'accord, jeu de cartes mélangé, je ne pouvais pas savoir là où tu allais mettre ton enveloppe. On va juste... Alors regarde bien, en fait j'avais inscrit un truc sur l'enveloppe, qu'est-ce que tu vois d'inscrit? Avenir. Avenir, exactement. Ok, alors on va, en fait on va récupérer les deux cartes, tu vois, là, c'est l'endroit où tu m'as dit stop. Regarde, toc, c'est les deux cartes, une avant, une après. D'accord? Bien. Mm-hmm. Donc... on dirait que le présent c'est ça, le passé c'est le 2 de cœur, le présent c'est la dame de trèfle. On associe en fait la famille et enfin la valeur et la couleur. Et ça pourrait donner dame de cœur. Et ben c'est marrant parce que regarde, ce matin, j'ai fait un rêve et j'ai placé une carte juste ici. Voilà, et l'avenir, et ben oui, l'avenir forcément c'est tout simplement la dame de cœur. Bravo.